Alors, le moule à gaufre, bienvenue en enfer. Tiens. Oh, merci une clémentine. J'aime trop ça, c'est trop sympa. Bah alors, on galère? Bah oui, c'est l'enfer, mon petit. Bon, pourquoi t'es ici, toi? Alors, on a brûlé ma petite raclure de bidet. Bon, toi, ça sera à l'essai, mon petit con. Maman va te montrer le chemin. Maman! Ah! T'emmènes la raclure de bidet dans l'allée 5, s'il te plaît. Purée, on en a déjà parlé il y a 2 jours en réunion. Tu me piques toutes mes insultes. J'avais prévu de la traiter de chapourri, de rat mort. Je ne peux plus rien faire, je ne peux plus rien dire. Toute la vie, tu me piques mes insultes. Mais tu sais, maman, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. En fait, on peut pas trop dire que la vie c'est un long fleuve tranquille. Parce que. On est en enfer ici. Alors on n'est pas vivant quoi. T'es qui toi? T'es qui? Je suis nouvelle. Et qu'est-ce que t'as fait pour arriver ici? De mauvais? Bah non, de bien, de super gentil. Une fois, j'ai enfermé plein de gens dans une pièce toute noire et j'ai fermé la clé. Et du coup, t'as fait quoi après? Tu les as brûlés, tu les as gazés Mais non. Non. Après, j'ai ouvert. Quoi. Mais ils avaient super peur. Vraiment. Ok, t'as fait quelque chose d'autre que ça? Ouais. J'ai fait du babysitting. Ok, donc là, vous... t'as pris le bébé, tu l'as mis dans le congélateur avec toute sa famille pour les manger plus tard. Non, moi j'ai... En fait, j'ai laissé le gosse devant la télé, devant des trucs qui crament le cerveau et tout. Ah ouais. Ouais. T'as pu laisser... Mais vous faites quoi là? Mais... Pourquoi vous... Arrêtez de parler dans mon dos! Bon, je vous raconte un dernier truc, mais vous allez vraiment être super choqués. Mais une fois, j'ai déclenché une alarme incendie. Et tout le monde a dû sortir. Ça a vraiment fait chier tout le monde. C'était atroce. Bon, après moi, j'ai brûlé dans l'incendie. Mais c'était vraiment horrible. Ça fait chier tout le monde. Oui. Maman! C'est pour aller voir papa. Tout de suite. Tous ensemble. Mais c'est mes 3 petits caca préférés. Caca numéro 1, caca numéro 2 et caca numéro 3. Alors qu'est-ce que je peux faire pour vous? Donc clairement ce n'est pas acceptable comme situation. La situation est inacceptable. C'est pas possible, c'est pas possible. On voudrait changer de colocataire. Voilà, on voudrait une nouvelle. Car celle-ci n'a jamais rien fait de mal. Donc elle, c'est pas vrai. Elle ne mérite pas d'être... C'est pas vrai. Si, elle ne mérite pas d'être avec nous. Voilà. Je vais regarder. Ah, mais je sais! C'est notre petit pistonnet! C'est. Non, mais il est là parce que son père, c'est. Mais si! Si, c'est FDP! Voilà! Non, mais je veux pas savoir, c'est comme ça, c'est écrit, voilà, on demande à la direction si on n'est pas content, mais on est obligé de l'accueillir. Voilà, c'est pas moi qui fais les règles, maintenant on arrête. Non, je suis pas d'accord, toute ma vie j'ai été dans l'ombre de mon père, mais moi je veux être respectée, ok? Je suis un individu, je veux être une mauvaise personne et je veux qu'on m'accepte comme ça, et je vais vous montrer que je suis le plus gros des FDP, ok?